Oui, oui, tu vois, c'est ici. Mm-hmm. Donc l'appareil qu'on veut voler là, c'est le courant qui passe dedans. Tu, tu vois, tout ça, tu sais que les appareils, quand le courant passe dedans, là, c'est cher. Tu as dit ça. Donc, c'est ça on va prendre. D'accord. Tu comprends? Mm. Donc on va là-bas, tu mets ta main dedans. Tu mets ta main, tu m'écoutes. Comment je vais mettre ma main dans le courant? Tu mets ta main dedans, tu vois, et tu décroches ça. Comme toi, tes doigts sont petits. Mais toi, comme tu dis, mes doigts ne sont pas tournevis, non. Toi, regarde, toi, tu as les longs doigts. Tu mets dedans, ça va rester encore. Tu peux tourner. Moi, toi, tu as peur de courant, c'est ça. C'est à cause de ça. Moi, je sais que ici, là, c'est pour ça que j'étais demandé de garder le balai, là. Mm-hmm. Ça, là, c'est isolant. Mm-hmm. Quand tu prends, même si le courant te prend, mm-hmm. c'est rien. Tu vas rien sentir. Parce que moi, je vais prendre balai, là, mm-hmm. pour te frapper avec. Pour enlever le courant qu'il y a dans ton corps. Mm-hmm. Dans ton corps, là. Comme toi aussi, tu as long doigt, là. Si arrivé là-bas, là, tu vas mettre ton doigt dedans pour tourner le courant. Et si le courant t'attrape là, moi-même, je vais utiliser l'isolant. C'est isolant, tu as appelé ça, non? Je vais utiliser l'isolant là. Et je vais te libérer du courant. Donc, tu mets mon doigt là. Pour faire ça. D'accord. Moi, c'est l'argent, moi, je veux. Mais, tu vois. Et si on laisse tout ça là maintenant et on va utiliser les coupons de King Fury Prono? Moi, je dis, on va utiliser les coupons de King Fury Prono et on va faire ça là encore. Ils font beaucoup d'argent. Toi, tu ne veux pas devenir un homme civilisé, un homme qui a beaucoup d'argent. D'accord. Ils vont venir, on va faire le truc là. Tu maîtrises le champ. Ça va chauffer maintenant. Viens, pour faire quoi? Je vais couvrir tes arrières. Comme ça, tu es là-bas. Je vais couvrir tes arrières. Il est en train de tuer eux-mêmes. Je ne peux pas trop te serrer. Ça va, tu dépenses. Crébé bandit. Mais dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? On va d'abord faire. C'est un voleur. Oh, Seigneur! C'est un voleur. Métis tout à l'heure. Si j'étais méchant maintenant, j'allais vous frapper pour enlever le courant de votre corps. Mais Dieu ne veut pas la mort du voleur. Je vous laisse.